l'humeur de Daniel Morin. Et elle est bonne, mon humeur. Ah, ma bonne nouvelle. Oui, alléluia. Ça y est, mes frères, ça y est, mes sœurs, pendant 12 jours et 11 nuits, Sister Ségolène accueille 150 chefs d'État. C'est la COP21 pour sauver la planète. Oui, le grand rendez-vous des amis de la Terre, l'écolo-parade. Arrêtons de réchauffer la Terre. Pas plus de 2 degrés, mes frères, sinon les ours blancs vont se noyer. Oui, alors bien sûr, pour les Parisiens, les conditions de circulation sont difficiles. Autoroutes, grands axes, périphériques fermés, mais on s'en fout. Oui, c'est pour sauver la planète, brothers and sisters. Pour pas que les Tahitiens, les Haïtiens soient inondés, pas plus de 2 degrés, sinon les baleines vont se faire défoncer par les Japonais, sinon les pandas, ils vont crever de chaud. Bon, ok. C'est sûr, les Chinois, les Américains et les Russes, ils s'en foutent de la COP21. On s'en fout! Oui, l'important, c'est d'être ensemble, tous réunis pour célébrer la planète, pour engager la grande farandole contre les particules fines et le diesel, tous à poil dans les jardins de l'Elysée, à fumer des pêtes avec Ségolène! Oui, mais c'est pas gênant pour un sommet sur le climat, 150 chefs d'État qui arrivent séparément dans des jets privés qui relâchent des dizaines de milliers de tonnes de CO2 dans le ciel parisien, tuant par la même occasion des milliers de bébés phoques dépressifs et de petits dauphins asthmatiques. Mais non, on s'en fout, c'est des avions de la COP21, c'est une pollution salvatrice pour que ces petits salauds qui habitent la banquise se sentent mieux dans 150 ans. Et si ça va pas mieux dans 150 ans, on s'en fout, puisqu'on sera mort. Ça va être la super méga teuf. C'est la fête de l'année, la COP21, c'est le retour des années 70. Chemise en lin, slip en chanvre, couronne de fleurs, tout le monde va chanter, défoncer du Maxime le Forestier. Tout le monde dans le Flower Power, Angela Merkel qui met à disposition 50 combis Volkswagen. Ah, Volkswagen, c'est pas une bonne idée. Lui par contre, c'est une idée de génie. Celui qui voit sous ses pas pousser des pâquerettes et des fougères, le dieu Pan de France Inter. Il est au Bourget en tailleur bleu marine pour accueillir tous les chefs d'État, si je ne m'abuse.